Bonjour à tous, bonjour surtout à mes amis les Gémeaux. Bienvenue, je suis content de vous retrouver aussi. C'est vrai que désolé, pour vous ça tarde un petit peu à venir. Donc je dois dire que j'ai eu une santé un peu, on va dire, fébrile ou vacillante ces derniers jours. Donc rien de grave, hein, mais voilà. Vraiment, au niveau énergétique, j'étais pas au top, donc j'ai préféré mettre une pause un peu dans les tirages et à tous les niveaux. Puis aussi, bon, voilà, hein, c'est la période qui s'y prête, mais là, il y a de la famille, il y a tout ça. Donc là, par exemple, je prends un moment donné où je peux être tranquille et puis vous faire cette vidéo. Donc voilà, ça aura mis le temps, mais on y est, je suis là avec vous et on va vraiment prendre ce temps ensemble. Tranquillement, je vais prendre le temps pour le coup. Et puis ça va me faire du bien aussi de me remettre dans ces énergies un petit peu hautes quelque part, hein, ces énergies quand je fais les tirages, voilà, ou quand vous faites même le tirage, si jamais vous avez l'occasion de pratiquer, on se met automatiquement dans des vibrations hautes si on le fait avec l'intention. Donc pour vous, mes amis les Gémeaux, je vais mettre l'intention d'avoir vraiment des messages bienveillants, des messages pour vous guider. On va utiliser le tarot de Marseille et c'est le tirage de la roue astrologique, on appelle ça. Donc si vous voulez, c'est les 12 maisons qui sont représentées ici. Et chaque maison correspond à un domaine particulier de la vie. Voilà. Donc on va parler vraiment d'énergie, hein, comme d'habitude, pour 2020. Les prévisions pour 2020. Je parle souvent d'une manière symbolique, alors je vais vous transmettre les messages comme je les ressens, mais c'est souvent imagé et symbolique, donc voyez comment vous ressentez ce tirage. Hein. C'est important que vous, mes amis, vous soyez aussi connectés avec moi pendant à peu près peut-être une heure, hein, enfin je sais pas, mais qu'on va passer ensemble, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Prenez des notes, mettez-vous à l'aise, prenez un thé, un café, ce que vous voulez, des pop-corns, bon, peu importe, mais voilà. Bon, écoutez, je pense que c'est parti. Donc, on va commencer d'abord par la maison 1, forcément. Je vais me laisser guider pendant le tirage, je ne vais pas les faire dans l'ordre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je vais voir. Je vais me laisser porter un petit peu. Alors, la première carte ici, eh bien, qu'est-ce que c'est? C'est vous. Hein. Elle vous représente vous, votre énergie générale, l'atmosphère générale pour cette année 2020. Et votre évolution personnelle aussi. Vous êtes représenté par la papesse. Alors, déjà, moi, j'aime bien cette carte. Je l'aime bien aussi à cette position. La papesse, principalement, va nous parler d'un travail qui se fait, mais intérieur. Hein. À l'extérieur, les choses ne sont peut-être pas visibles. Alors, je vais essayer de vous traduire ça, mais on est en effet, voilà, sur vraiment une activité intense, mais qui est toute intériorisée. Hein. Bon, de toute façon, ça vous représente aussi. D'accord? Et ce que je ressens, c'est que c'est une année pour vous, 2020, de profonde réflexion. C'est ça, en fait. Le mot, c'est profondeur. Allez dans les profondeurs pour vous, dans votre inconscience. Je sens aller vous reconnecter aussi à des choses du passé. Alors là, j'ai cette information, je ne sais pas pourquoi. Du passé, voire même des choses très lointaines. On parle soit de l'origine d'une situation, d'un problème, ou même retourner à des choses qui sont liées dans l'enfance. Parce qu'en fait, si vous voulez, ici, là, je vois le livre, et la papesse regarde vers la gauche. La gauche, dans les règles picturales, c'est le passé. La combinaison du regard et du livre m'indique qu'en effet, vous allez avoir le regard aussi tourné vers vos expériences, vers le livre de votre vie, en fait, ici, hein, que vous avez sous les yeux. Donc, vous faites comme une sorte de bilan aussi. Bilan introspectif, très important, avec, je sens, beaucoup de questionnements qui vont émerger pour vous. Mais c'est un questionnement positif, hein. Ici, on n'est pas, par exemple, sur la Lune, qui aurait d'ailleurs des similitudes avec cette carte, mais justement, on n'est pas sur la Lune ici. La Lune qui pourrait parler parfois de ne pas avoir une vision claire, justement, de
Disons que c'est une énergie plus dure, la Lune. La papesse va avoir une grande similitude, pardon, avec la Lune, dans ce sens où, je sais pas pourquoi je fais que vous parler de la Lune, peut-être parce que la pleine Lune vient de passer ici, et elle m'a plutôt bien affecté. C'est l'intuition, voilà. Hein, c'est aussi le point commun de ces deux cartes, la papesse et la Lune. C'est l'intuition. Donc, oui, remise en question pour vous, il est question de faire un bilan de vie, et voyez, de lever le voile aussi sur certaines parties de votre vécu, de votre expérience, où là, vous allez sentir que vous avez besoin de vous plonger dans le passé, en fait, hein. La papesse, elle ne le fait pas par obligation, elle le fait par choix. La papesse, elle représente aussi le savoir, la connaissance. Donc vous allez chercher à apprendre certaines choses sur vous, comme je vous ai dit, peut-être sur votre passé, sur votre enfance, sur certains secrets aussi, parce que la papesse représente les secrets. Donc dévoiler, il y aura pour vous des divulgations, c'est bien le mot, des divulgations de certains secrets, peut-être de famille, peut-être de... Je ne sais pas, vous voyez, c'est une énergie générale là qui me vient. Ou tout simplement... Si vous avez l'impression, par exemple, de vous retrouver dans une situation, que ce soit professionnelle ou sentimentale, où vraiment il y a une petite voix en vous qui vous dit qu'il y a des choses soit qui sont fausses, hein, des mensonges, ou alors qu'il y a des choses qui ne sont pas dites, vous allez le sentir. Et pour finir sur cette carte, là, on vous invite déjà à vous connecter vraiment à votre intuition. Vous voyez, la papesse, elle est connectée, elle, à ses intuitions, elle a le regard, comme je vous ai dit, tourné vers l'intérieur, et elle a le savoir, en fait. La papesse, elle a le savoir inné, la connaissance innée. Et cette... en fait, vous allez vous poser des questions, hein, parce que la papesse, elle se pose quand même des questions. En tout cas, là, je le sens comme ça. Et on vous dit déjà que la clé, elle est non pas à l'extérieur. Faudra pas que vous, du tout, que vous la cherchiez à l'extérieur. Faut que vous allez chercher à l'intérieur de votre cœur. Hein? Ou que vous puissiez vous connecter, ben, voilà, vous connecter, soit à votre petite voix intérieure, votre enfant intérieur, vous connecter ici avec la couronne, donc le chakra couronne, avec les énergies supérieures, la conscience supérieure, le moi supérieur, voilà, c'est ce que j'entends aussi pour certains, si c'est familier pour vous ces mots. C'est ce que vous allez traverser et en même temps c'est nécessaire. Hein. Pour moi, c'est aussi un cri. Pardon, ouh là là, inscrit sur votre chemin de vie, hein, ce passage en fait. Et la papesse, vraiment, elle est observatrice, très très observatrice. Donc, elle ne se dévoile pas elle-même comme ça, vous voyez. Elle est vraiment en train de un petit peu tout analyser, mais pas avec le mental. Elle analyse avec ses ressentis, avec ses... Voilà. Et puis, elle avance avec prudence aussi. Patience, patience sont ses maîtres mots, et prudence. Ouais. Donc, c'est aussi deux conseils, hein, ces deux mots, deux maîtres mots, qui peuvent vous aider justement à vous connecter encore plus avec votre moi supérieur. Ou avec votre intuition aussi, on peut le dire comme ça. D'ailleurs, j'aime beaucoup parler moi d'intuition. Donc, prenez-le aussi comme ça. En tout cas, comme ça résonne pour vous. Je regarde si j'ai d'autres choses à vous dire. Je vais boire un peu. Comme je vous ai dit, on va prendre le temps. Pour certains, oui, il est question ici d'aller voir. Alors, je vais vous dire plein de choses, hein, parce qu'il y a plein de choses qui me viennent, mais d'aller voir. Dans votre passé, mais aussi au niveau de vos vies antérieures. Hein. Là, je parle d'une démarche peut-être un peu plus spirituelle, ou en tout cas une démarche assez profonde, on va dire, de faire une quête un peu. Il y a une recherche sur soi, mais voir des choses du passé, et comme je vous dis, vie antérieure, karma, des choses comme ça. Hein. Parce que la papesse, c'est aussi le monde de l'invisible, très connecté au monde de l'invisible, très connecté tout simplement. Alors, je ne sais pas si vous entendez derrière, il y a la musique, j'espère que vous n'entendrez pas,
Je sais même plus c'est quoi, un dessin animé. Bon, bref, c'est ma fille. J'espère que normalement, ça devrait aller. On va pas être dérangé pendant la vidéo. Ah non, mais en plus, c'est marrant. Désolé, je fais une petite pause. Je sais pas si vous entendez, mais moi, en fait, j'entends les paroles. Il y a une chanson là. Et ça me parle pour vous. Bon, je vais essayer de pas trop m'égarer, moi aussi. Alors, pour revenir sur la papesse, ok. Vie antérieure et aussi, pour certains, eh bien justement, il y a une ouverture, je dirais, une ouverture de ce fameux chakra couronne, une ouverture de votre conscience, certaines révélations qui vont arriver pour vous, un intérêt peut-être aussi pour en apprendre davantage sur tout ce qui est ésotérique, sur le mysticisme, sur les énergies, sur les arts divinatoires, vous voyez par exemple. C'est aussi ce que je ressens. Alors, je vais me laisser guider un petit peu la papesse. Qu'est-ce qui serait bon pour moi de regarder? J'ai bien envie de passer ici. Donc, on est en maison numéro 5. La maison numéro 5, elle représente pour moi la maison de la créativité dans le sens global, peut-être les projets, l'élan créatif que l'on a comme énergie pour 2020, d'un point de vue général, mais aussi quand même pour moi la vie sentimentale dans son ensemble, votre vie sentimentale. Alors, on a une énergie très puissante, hein. C'est pour moi l'une des énergies les plus puissantes des arcanes majeures du tarot. Donc justement, ça va être une grande et importante quantité d'énergie qui va, comment dire, débouler d'un coup dans votre vie. Alors, on va essayer de comprendre un petit peu comment cette énergie va s'exprimer, justement. Donc, maison numéro 5, créativité et sinon vie sentimentale. Alors, je pense qu'on va parler d'abord de ce qui sera le plus rapide, c'est-à-dire la créativité. Ça va nous indiquer pour moi une grande effervescence au niveau de votre créativité. Je pense que vous allez vouloir vous investir peut-être justement dans pas mal de nouveaux projets. Il y a des nouvelles façons de voir pour vous. Enfin, j'ai vraiment cette notion de nouveauté, de coup de théâtre. Coup de théâtre aussi, c'est un mot-clé qu'on pourrait trouver avec cette carte. Donc des choses inattendues qui arrivent pour vous. Peut-être des propositions, peut-être vous-même, vous pouvez avoir une révélation. Là aussi, déjà, vous voyez, bah, il n'y a pas de hasard, j'étais attiré vers cette carte. C'est une carte de révélation aussi, de révélation profonde. Alors, je vais me laisser un petit peu porter parce que donc, il ne faut pas que je m'éloigne, j'ai vraiment deux sujets à aborder distincts avec cette carte. Donc, la créativité. Il est possible qu'au niveau de votre créativité, donc qu'il y ait beaucoup d'envie, en effet, de nouvelles envies, et surtout que vous alliez refaçonner votre façon de faire ou de penser. Voilà. Je ne peux pas vous le traduire mieux que ça. Je sais que c'est assez simple, ça peut s'appliquer à beaucoup de choses, mais voyez quand même que c'est un gros changement ici. Je ne vous dis pas, ah, bah, vous allez peut-être changer, au lieu de prendre un café le matin, vous allez le prendre à 10 h. Vous voyez, je ne parle pas forcément de ça, je parle d'une remise en question profonde de plein de choses qui sont liées à à vos désirs ou à votre créativité, et vous allez le faire d'une manière différente. Et c'est très certainement pour entamer quelque chose de nouveau. Voilà. Alors, c'est vraiment le plus simple que je puisse vous le traduire parce que voilà, moi c'est comme ça que je le reçois, que je le ressens, et vraiment ça serait trop compliqué pour moi d'appliquer ça à du concret. Tout ce que je peux vous dire pour vous aider aussi, c'est que vous voyez cette tour là, ça représente l'ancien. Vous voyez, ici je vous disais que la papesse déjà était tournée vers le passé et elle essayait d'en apprendre davantage. Il y a une recherche là pour faire un travail sur soi. Et là, quelque part, on voit le travail sur soi aussi, puisque la tour représente d'anciennes croyances, d'anciens systèmes, d'anciens schémas, façon de penser, façon de voir, façon d'être, qui sont totalement détruites au sens symbolique pour une nouvelle construction sur des bases neuves, hein, sur des nouvelles bases neuves. Et ce sont des événements, des circonstances, des personnes qui vont être amenées sur votre chemin, ça peut se faire de cette manière-là. C'est emmené pour moi par le divin,
Là aussi, hein, prenez comme vous voulez. Enfin, moi, je suis attaché à aucune religion, vraiment, je tiens à le dire. Mais voilà, on va exprimer ça le mot tel quel, et chacun y met ce qu'il veut derrière. C'est la foudre qui s'abat. C'est le divin donc qui vous envoie ça, et ça peut être d'une manière très subtile. Hein. Vous savez, des fois, une prise de conscience que l'on a, elle fait suite à une intuition, à un moment donné, une synchronicité. Moi, pour moi, ça a été le cas. Cette carte, elle me parle beaucoup, et c'est une carte que j'aime beaucoup. Justement, et il ne faut pas en avoir peur, c'est ce que j'ai envie de vous dire aussi. Cette carte, il ne faut absolument pas en avoir peur. Oui, ça déstabilise. Alors, je suis en train un petit peu de m'égarer. Bon, désolé, j'ai pas mal d'énergie, vous voyez. J'ai pas parlé depuis longtemps, donc là, je suis lancé. J'ai pas parlé plus longtemps avec vous ou partagé des moments avec vous, donc là, j'y vais. Et ça me fait plaisir. Alors, si on parle de la vie sentimentale, je pense pour la créativité, vous avez compris. Pour la vie sentimentale, on applique la même chose, la même énergie. Mais là, on comprend que donc il y a beaucoup de changements profonds, radicaux qui arrivent dans votre vie sentimentale. Honnêtement, peut-être que les autres cartes nous en diront plus, mais ça peut aussi bien vouloir dire que c'est positif ou négatif. Et d'ailleurs, c'est très important, c'est ça qui est le plus important que je vous dise avec cette carte, c'est que il y a des choses que vous ne pouvez pas contrôler qui vont se manifester en 2020. D'accord? Ça va être un changement profond, en tout cas au niveau de votre vie sentimentale, on sent un changement profond. D'accord? Mais alors, surtout faites bien attention aux mots que je vais employer. Enfin, moi je fais attention aux mots que j'ai employés, donc soyez attentifs, pardon, aux mots que j'ai employés parce que ça vous donnera les nuances de ce que je veux dire. Voilà, c'est très très important que vous soyez avec moi sur ce coup, les amis. La maison de Dieu, c'est toujours un changement important, profond, un peu bouleversant, déstabilisant peut-être même quand ça arrive, parce que c'est soudain, c'est une énergie rapide, comme je vous ai dit, grosse quantité d'énergie déployée. Potentiellement, c'est suite à un déclencheur bien souvent extérieur, mais ça peut être plein de types de déclencheurs, vous voyez. Voilà, un déclencheur extérieur qui amène un véritable changement. Mais déjà, c'était un changement, et c'est un changement qui sera nécessaire. Première chose que j'ai à vous dire. Deuxième chose, la maison de Dieu, c'est ni bien ni mal, comme tout le reste. Il n'y a pas de notion de bien et de mal. Justement, là, je suis attiré par le mot Dieu, la maison de Dieu, Dieu dans son absolu, comme on pourrait l'entendre, mais il n'y a pas de bien ou de mal, il n'y a pas de jugement, justement. On est tous dans la même maison de Dieu. Hein, donc, je ne vais pas dans la religion, je vous dis comme ça vient. Hein, désolé. Pour ceux qui sont athées, par exemple, ou voilà, qui ne sont pas du tout sur ces énergies. Mais peut-être que vous allez commencer à vous y intéresser un petit peu de plus près. Et très bonne chose. Grand bien à vous. Et grand bien à vous dans tous les cas. Oui, c'est ni bien ni mal. En fait, c'est la perception que vous en aurez qui va déterminer la suite. Et moi, ce que je peux vous dire par expérience, quand je suis passé dans des moments dans la maison de Dieu, la carte numéro 16, oui, c'est des choses inattendues, mais des fois, vous voyez, c'est comme une fête aussi. Parce qu'avec cette carte, j'ai toujours eu ça. La première fois que j'ai eu ce tarot dans les mains, et je ne connaissais pas les significations, et même maintenant, je m'en détache beaucoup, comme vous le voyez, les significations pures qu'on trouve dans les livres. Ça peut être la fête aussi. Moi, j'ai vu ça comme des confettis, en fait. Et bon, on a quand même une couronne, on a le feu d'artifice, vous voyez, ça peut être la fête ici, ça peut être par exemple des personnes juste qui sont en train de. Enfin, vous voyez, je ne sais pas moi, des personnes bourrées qui sont en train de faire n'importe quoi, ou alors des équilibristes, voilà, quand on est un peu chaud, quoi, hein, qu'on se met à faire un petit peu n'importe quoi, par exemple. Non, mais vous voyez, tout ça pour vous dire qu'on peut l'avoir d'une manière aussi très positive ici. Alors, voilà, c'est ce que je peux vous dire, c'est que c'est pour vous faire passer à un niveau supérieur. C'est très important. Un niveau supérieur, donc, eh ben, si on le traduit directement dans votre vie sentimentale,
Il y a un bond qui va être fait parce qu'il y a certaines choses qui vont être déconstruites. Vous voyez, ça peut être aussi très intérieur, hein, parce que la maison, merci les guides, on me le dit là, heureusement parce que j'avais passé à autre chose, c'est très important que je vous transmette ça. La maison aussi, c'est la maison intérieure. Hein, ça peut être votre maison intérieure. Donc, des prises de conscience, comme je vous ai dit, des révélations qui arrivent et qui remettent en cause plein de choses, parce que vous allez apprendre de votre vie passée. Vous allez tout simplement gagner en sagesse aussi par rapport à vos expériences sentimentales d'une manière générale, et ça va vous amener à évoluer en fait. C'est une évolution. Donc c'est vraiment très riche hein, cette carte. Je pourrais y passer des heures, mais j'espère que je vous ai quand même transmis l'essentiel. Alors, comme on était en maison numéro 5, la vie sentimentale, je pense qu'on va la regarder en maison tout de suite numéro 7. La maison numéro 7, c'est la maison du, pour moi, du conjoint, donc du partenaire, ou tout simplement de votre partenaire, amoureux, amoureux, vraiment, en 2020. Et elle représente aussi les partenariats. Les partenariats dans le sens très large et symbolique du terme, donc même des partenariats au niveau du travail, ça peut ressortir ici. Des associations possibles, en fait. Le jugement, on a encore une énergie puissante, hein, très puissante ici. Alors, ben, on peut comprendre justement qu'il y a du vrai changement dans la maison 2, parce que ici, le jugement, on est aussi sur une énergie très rapide, pour moi. Une énergie parfois d'imprévu, en tout cas c'est une bonne nouvelle. Ce que je veux dire par là, c'est que la première énergie que je ressens, pour moi, il y a en fait l'idée de la naissance ici, ou de la renaissance, donc ça peut vouloir dire deux choses. Si vous êtes célibataire, il y a quelqu'un qui se présente à vous, donc peut-être ça chamboule votre quotidien, votre petite routine, voilà, toutes ces choses-là, ou tout simplement votre façon de voir l'amour. Donc il y a une renaissance à ce niveau-là, parce qu'en plus vous-même, vous renaissez, ben voilà, pour moi, il y a une personne qui va vous être présentée si vous êtes célibataire, avec qui il va y avoir une véritable alchimie, une véritable entente, comme une connexion aussi un peu peut-être inexplicable entre vous. Pour ceux qui sont en couple, ici pour moi on parle quand même de renaissance aussi au niveau de couple ou de nouveauté, vous voyez on est encore sur cette idée, donc je dirais que ça vient polariser et un peu plus, voilà, j'ai la peinture partout avec ma fille. Alors, ça vient donner des informations supplémentaires pour moi, des tendances, c'est pour ça que j'ai voulu voir cette carte par rapport à la maison 5 de la vie sentimentale. Là on vous dit que, en fait, oui il y a des nouvelles qui viennent. Des nouvelles qui viennent du ciel encore, vous voyez, on a un ange et ici on avait la foudre, mais c'est des nouvelles positives. Et comme je vous ai dit, vous voyez, c'est pour amener à une renaissance, un renouveau pour vous, comme je vous l'ai dit. Vous voyez, là on parle de destruction parce que y a de la nouveauté pour vous engager sur un nouveau chemin. Ou alors donc très spirituellement, parce qu'on a le personnage bleu ici qui représente le spirituel, très spirituellement et juste en dessous de la papesse. Justement, c'est vous-même que vous vous retrouvez. Vous-même que vous évoluez. Au niveau des partenariats, c'est une carte très positive, hein. Je vais faire très vite sur les partenariats. Oui, il y a des opportunités, des bonnes nouvelles qui se présentent. Des synchronicités aussi, pour moi, des choses qui vous sont envoyées. Il y a des possibilités d'association. Et si vous vous posez des questions, justement, parce qu'il y a la papesse au-dessus, alors c'est très bien, hein, allez-y quand même avec prudence. Il faut être sûr de ce dans quoi vous engagez. Mais je pense quand même que c'est positif, hein. Donc, juste fiez-vous à votre intuition, en fait, hein, par rapport à ces opportunités qui vont se présenter à vous au niveau des partenariats dans le sens global. Parce que ça va être aussi nouveau pour vous, ça peut représenter un challenge. Mais n'ayez pas peur, prenez quand même le temps d'analyser ces propositions avec la papesse au-dessus, et surtout faites confiance, on y revient, à votre intuition. Laissez-vous guider, voilà. Ok,
Ici, si cette carte nous parle vraiment de votre conjoint en tant que tel, ou votre partenaire, donc oui, ça peut être un nouveau partenaire qui fait irruption dans votre vie, même si vous êtes déjà en couple, hein, c'est une possibilité. Ou tout simplement, ça peut être votre partenaire qui vit un vrai renouveau dans sa vie. Là, on n'en saura pas plus pourquoi. En tout cas, c'est très connecté à. Pour moi, il y a une sorte de réveil, de prise de conscience aussi pour votre partenaire. Vous voyez, on a la papesse encore une fois au-dessus qui va donner beaucoup plus d'indications sur cette carte. On est sur des choses très intérieures ici, hein, au niveau de votre conjoint, des choses intérieures mais qui vont être révélées. Hein. Votre partenaire, ben oui, vit une véritable croissance intérieure. Une croissance peut-être spirituelle, une croissance dans la compréhension aussi, dans la sagesse, mais dans la compréhension vraiment des choses. Ça a mis le temps, oui, c'est ce qu'on me dit. Pour certains, ça a mis le temps, mais justement, on est sur le chiffre 20. Bah, 2020, c'est l'année de pas mal de renouveau. Pour vous personnellement, et notamment avec cette carte, pour votre partenaire. Donc c'est bien parce que on est sur le chiffre 2 ici, et là le chiffre 20, donc ça fait 2 et 0, donc 2, sur le... Voilà, y a un lien pour moi, il y a un lien qui se fait, une complicité, une unicité, enfin bon. Et en effet, avec ces deux cartes, pour moi, il y a vraiment... Je pense, hein, une des grandes énergies que je ressens quand même, mais il n'y a pas que ça, d'accord, hein, mais c'est surtout une rencontre, coup de foudre en fait, vous voyez, je l'avais même pas entendu ce mot avant, mais donc, alors que c'était simple, mais tout simplement un coup de foudre, c'est confirmé ici, et des fois je suis loin à la détente, bon, c'est la reprise aussi pour moi, hein, donc voilà, puis j'ai tellement de choses à vous dire, allez, on avance. On va regarder maison numéro 4. Ça va nous donner plus d'informations aussi. La maison numéro 4, c'est justement le foyer, la famille et puis la maison en fait. Hein. L'amoureux. Bon, voilà, on y est. On est en plein dedans. Donc, oui, ça va être au niveau de votre foyer. Alors déjà, il y a beaucoup d'amour, on peut le dire. Qu'on parle avec les enfants, qu'on parle d'une manière générale, on est sur l'ambiance ici au niveau de votre foyer, de votre famille, c'est l'amoureux. Ou dans d'autres, on dit les amoureux aussi dans d'autres tarots. Donc c'est assez clair que pour moi, il y a l'amour, mais aussi vous êtes guidé par votre cœur. Et c'est ça vraiment qui est important dans cette carte. Avec l'amoureux, il est possible que justement il y ait des choix à faire, des décisions importantes à prendre, mais. C'est une carte pour moi de libre arbitre. On vous ramène toujours à ça. Ça veut dire que là, la décision, elle vous appartient. Vous voyez, parce qu'on a quand même la maison de Dieu à côté, hein, dans la vie sentimentale, et l'amoureux est juste à là. Donc ça va être lié. C'est forcément lié. Donc ça veut dire que ces changements qui vont s'opérer, peut-être que vous n'avez pas contrôlé, hein, une rencontre ou quoi que ce soit, les événements foudroyants qui arrivent dans votre vie. On vous dit en fait que vous avez le libre arbitre par rapport à ça. Et que oui, ça va amener le fait de faire des choix, de prendre des décisions, et qu'il faudra vous connecter à ce que vous vous ressentez. Et là, on vous le dit, vous voyez la main sur le cœur ici et le Cupidon qui pointe le cœur. Moi, j'ai le sentiment que... En fait, vous allez être vraiment aidé quand même dans cette étape. Moi, je sens que oui, vous êtes aidé, vous êtes guidé dans ce cheminement, dans ces événements qui vont arriver en 2020. Alors, attendez, parce que j'ai plein de messages en voyant les trois comme ça. Pour moi, ça va vous permettre de vous réaligner aussi hein, à vous-même. Et de vous reconnecter vraiment à votre cœur, à ce que vous ressentez au plus profond. Et surtout, on vous dit ici, hein, et c'est le message important, de suivre simplement votre voix du cœur. Mais que dans tous les cas, vous êtes non seulement aidé par l'univers, par vos guides, mais aussi par des personnes proches de vous, peut-être, là, j'ai l'impression deux personnages féminins, donc peut-être votre maman, peut-être des amis, une amie, qui que ce soit. Vous n'êtes pas seul. Donc,
Je sens que ça sera important que vous soyez soutenu ou que vous demandiez le soutien aussi, mais n'oubliez pas quand même que vous avez les réponses en vous parce qu'elles sont simples. C'est juste que vous dit votre cœur, et quand vous avez la réponse à cette question, vous avec vous-même, en introspection, en méditation par exemple, après il n'y a plus qu'à le suivre. Il n'y a plus qu'à suivre cette voie du cœur. Alors, et comme je dis, c'est une carte de libre arbitre, donc ça veut dire quand même que il y a des événements extérieurs, oui, mais on a toujours le choix, parce que vous avez le choix, vous savez, comme je vous ai dit, par rapport à la maison 2, il n'y a pas de hasard, c'est ni bien ni mal, c'est la perception que vous en avez, et l'amoureux vient ramener à cette perception, vous avez le choix de le voir comme quelque chose de dramatique, ou je ne sais quoi, parce que, alors, ça me vient encore maintenant, vous voyez, j'en ai pas parlé, donc il faut quand même que je mette les mots dessus concrètement pour certains, peut-être. Pardon. Pour être le plus transparent et honnête avec vous. Ici, il est possible aussi qu'on parle de séparation, de rupture. Peut-être parce qu'il y a une triangulaire aussi, au niveau du foyer, la famille, bon, il est possible pour certaines situations qu'il y ait la notion de triangulaire, d'où la notion de grand changement ici, de bouleversement. Et bien sûr, en tant que tel, à cette position, la maison Dieu peut amener, peut parler de séparation, c'est possible. Alors désolé, c'est juste que je vais pas dire que des choses. Enfin, mon but c'est vraiment de vous aider, de vous amener. Non, pas de vous amener nulle part en fait. C'est plutôt de juste vous transmettre les messages, mais moi d'essayer d'amener ça à ce que justement ça puisse vous amener certaines prises de conscience pour que vous, quels que soient les événements extérieurs par exemple, voilà, pour faire un bilan. Eh bien, n'oubliez pas que vous avez le libre arbitre. Que vous avez toujours la force de l'amour avec vous, qui est de votre côté, le Cupidon, là, vous voyez, il pointe votre cœur et il est avec vous. Donc la force de l'amour avec vous, et que par amour, tout peut être traversé et transcendé. Voilà. Donc des choix importants. Ça peut parler de déménagement aussi, ici. Vous voyez, la combinaison de ces trois cartes peut parler de nouveaux projets d'envergure que vous avez pour vous, pour votre famille. Ça peut un peu chambouler des choses dans votre couple, dans votre vie sentimentale, mais comme je l'ai dit, en positif. Et puis, ça amène un véritable renouveau. Donc, voilà, je ne peux pas vous dire plus précisément ce que c'est, bien sûr, vous comprenez. Alors, ici, ok. Donc, j'aimerais bien m'apprendre plus sur... Alors, on a pas mal parlé de la spiritualité, donc on va regarder la maison 9. La maison 9, ici, qui est la maison des voyages. Voyage même très concret, s'il y a un voyage de prévu, forcément ça va ressortir là, et aussi de la spiritualité dans le sens global. Vous avez le mât. Bon, alors c'est plutôt une belle énergie, en accord avec ce qu'on vient de voir avant. Le mât au niveau du voyage, oui, en effet, déjà, c'est quelqu'un qui voyage, c'est un vagabond. Donc très clairement, le vagabond, c'est celui qui n'a pas forcément d'attache, qui a soif aussi, alors c'est surtout plutôt pour vous ça en fait, une soif de liberté, de découvrir le monde, d'ouverture, de voyage aussi, je sens cette énergie qui vous pousse en fait, un élan qui vous pousse à évoluer, à apprendre, à vous enrichir des autres, d'autres cultures, enfin voilà, c'est une grande ouverture pour moi d'esprit en fait, pour vous. Ou envie d'ouverture, peu importe. Je dis pas que vous aviez pas l'esprit ouvert avant, mais en tout cas là c'est... Et puis il y a une forte envie d'indépendance aussi. C'est ça, indépendance et liberté que vous allez prendre pour moi. Donc des voyages très enrichissants pour vous, ça c'est clair.
Et au niveau de la spiritualité, bah, c'est pour moi, vous reconnectez à l'essentiel, aux choses simples. Et de par toutes ces transformations que vous allez vivre intérieurement, vous gagnez vraiment en autonomie, en liberté, vous voyez, c'est-à-dire être un électron libre, hein, peu importe, enfin voilà, je ne vais pas vous traduire, que vous soyez comme un électron libre, avec ce sentiment, en tout cas intérieur au moins, de bah, d'être libre et de pouvoir faire ce que vous voulez, de prendre les décisions que vous voulez à n'importe quel moment. Si vous avez envie de prendre un virage dans votre vie, vous le prenez. On revient à cette notion de choix avec le cœur. Mais le mât ou le fou, on l'appelle, il regarde vers le haut aussi, hein, en fait. Hein, vous voyez, il est guidé. Il se laisse guider, il sait qu'il est guidé. Voilà. Et là, je vois des choses intéressantes. Je vois avec le bâton et avec sa posture. Alors, comme on est sur la maison assez spirituelle et que pour vous, j'ai parlé déjà de choses un peu, on va dire, comme ça. Là, on parle du. Alors. Genre du chemin de Compostelle, je sais même pas, enfin, je sais même pas vraiment ce que c'est, ce que ça représente, vous voyez ce qu'il faut faire ou quoi, mais j'ai ce mot qui me vient. Alors, faut pas s'attendre à ça, ça veut pas dire que, ah oui, vous allez forcément faire, je sais pas, moi j'ai une notion de périple initiatique, voilà, on va le traduire comme ça, ce sera plus simple, merci. vous allez dans une quête initiatique pour vous retrouver soit avec vous-même, ou soit ça peut être aussi, hein, pour certains dans la religion, c'est possible, ou alors juste dans la spiritualité ou dans la conscience de soi. Voilà. Je ne pense pas d'ailleurs qu'on parle trop de religion ici. Voilà, c'est la parenthèse que je pourrais en faire. C'est pas l'énergie principale que je ressens plutôt la foi en fait. C'est pas la religion, c'est la foi que je ressens. Et ça peut passer par une sorte de parcours initiatique dans lequel vous allez vous lancer. Donc je ne sais pas de quelle manière, mais bah, je compte sur vous hein, pour m'en parler dans les commentaires si vous le souhaitez. D'ailleurs, bah, pourquoi pas petite pause comme ça, vous voyez, je fais tout dans le moment présent et juste, bah, j'ai envie de déjà vous dire merci. Bah, merci juste d'être là, de suivre un petit peu ce que je fais. J'ai beaucoup de retours positifs et là aussi, bah, je vous en remercie vraiment parce qu'il y a quand même beaucoup de bienveillance sur cette chaîne. Moi, c'est ce que j'essaie de transmettre le plus possible. C'est avant tout ça, c'est pas forcément de vous donner réponse, c'est de vous apporter de la bienveillance. En tout cas, de faire les choses avec authenticité pour moi et donc pour vous forcément et dans la forme, c'est ça. Dans la forme, vous le transmettre avec bienveillance. Voilà. Et je sais que vous réceptionnez ça. Pour beaucoup d'entre vous, juste tel quel, donc merci. Voilà. Ok. Parenthèse close. On va regarder en maison 8 ici. Ça va nous donner enfin d'autres compléments sur cet aspect spiritualité parce que la maison 8, c'est la maison pour moi de la transformation, des grandes transformations auxquelles on peut s'attendre, auxquelles vous pouvez vous attendre. En 2020. L'impératrice, eh bien oui, l'impératrice, c'est quand même positif, parce que l'impératrice, c'est l'incarnation un peu du féminin sacré, donc de l'aspect yin, de la féminité, de la création aussi. Donc vous voyez, nouveau projet, nouvelle création, envie de donner naissance à quelque chose, hein, ou à quelqu'un, hein, donc un enfant, très concrètement, c'est possible aussi. Donc ça amène de grands changements pour vous, s'il y a l'arrivée d'un enfant, par exemple. Hein, je peux vous en parler. je l'ai vécu aussi, je le vis, donc, mais c'est très positif. Et transformation aussi personnelle, parce que vous allez beaucoup plus vous materner, mais materner vous-même, en fait. Vous allez un petit peu reprendre le contrôle et possession de votre corps, vous réappropriez votre corps, votre féminité par exemple notamment, et pour les hommes, ben, votre aspect yin, donc ça veut quand même aussi vous réapproprier votre corps, l'image que vous donnez, et aussi beaucoup plus dans la douceur, dans l'écoute, dans la bienveillance. Donc tout ça, ce sont les qualités qu'on pourra vous attribuer. Et qui vont changer d'ailleurs beaucoup de choses dans votre vie en 2020.
Donc je pense que vous allez, oui, prendre beaucoup plus soin de vous, faire attention à vous à tous les niveaux, physique, psychique, sécurité, vous mettre dans des énergies positives en fait et être dans un, le plus possible dans un espace sécurisant. L'impératrice a vraiment besoin de sécurité hein, pour se sentir pleinement, pleinement elle-même, pleinement sereine aussi, et juste à profiter de l'abondance de la vie. Ça, c'est ce qui vous est offert. Il y aura une certaine abondance, donc vous allez pouvoir en profiter, mais elle a besoin de se sentir en sécurité. Donc, si vous réglez ce... Et c'est pour ça que ça pourra peut-être être des fois un petit peu challengeant pour vous, notamment avec la maison de Dieu, c'est que eh bien, la sécurité ici, elle, voyez, elle vole un peu en éclats. Donc, à un moment donné, en tout cas. Hein, il y a un changement qui se produit qui remet un petit peu en question tout ça. Donc peut-être que bah, ça va vous faire travailler aussi justement. Vous voyez pourquoi c'est positif et qu'il peut y avoir du positif dans tout sur certaines croyances au niveau matériel. Je sais pas moi, dans ma vie j'ai besoin de ça, j'ai besoin de. Vous voyez cette phrase-là, j'ai besoin de. Qui a vraiment besoin en fait? Et c'est vraiment la question peut-être que vous allez vous poser justement. Est-ce que c'est votre cœur qui a vraiment besoin ou est-ce que c'est votre mental? Le mental, donc peut-être des peurs qui amènent à certaines pensées en fait, à certaines pensées ou à certaines paroles que vous pouvez prononcer aussi. Parce que l'impératrice, elle est quand même dans la communication, hein. C'est vraiment, elle exprime, elle écoute, elle, voilà, c'est des échanges fluides. Donc ça veut dire que vous-même, justement, vous n'allez pas non plus que garder les choses pour vous. Vous allez quand même vous affirmer avec l'impératrice, vous vous affirmez et vous avez des idées, des choses à proposer, une certaine vision qui est vraiment très constructive. Il y a la bienveillance, n'oubliez pas, donc c'est-à-dire que vous le faites d'une manière très, je sais pas, enveloppante, pour moi, chaleureuse. C'est dit avec une authenticité pour vous, hein, la façon dont vous exprimez. Et en même temps, c'est très doux, voilà, justement, c'est pas brutal. Et c'est bien que vous ayez cette carte hein, dans la carte des transformations, parce que, comme je vous ai dit, l'impératrice, c'est quand même la douceur. Même si on a la maison de Dieu ici, ces deux cartes viennent bien accentuer sur le côté nouveauté, sur le côté positif, hein, de l'évolution, positif. Et voilà, en fait, tout simplement. Alors, on va regarder un petit peu en maison 2. La maison 2 qui va nous parler justement de votre situation matérielle et financière principalement. Et en plus, on est juste au-dessus de l'impératrice, je vous ai parlé de la sécurité, donc on va voir un petit peu. La justice. Alors, attendez, je vais mettre ça dessous pour m'en souvenir. La justice. Ok, alors, pour moi, assez simplement, ça veut dire qu'il y aura une certaine stabilité. Vous allez travailler à trouver un certain équilibre au niveau de votre situation matérielle. La justice, très concrètement, ça peut vouloir dire que justement, il va y avoir des signatures de papier officiel, hein, s'il y a un déménagement, s'il y a un achat pour vous, un projet dans lequel vous vous investissez en famille. Ça passe forcément par le côté légal, officiel. Donc ça peut venir confirmer ici, hein. Et c'est positif, on a l'impératrice en dessous, donc qui parle de votre projet qui va vers la réalisation. N'oubliez pas qu'au niveau des projets, partenariats, tout ça, on a quand même des bonnes cartes, hein. Donc ok, et au niveau financier, tout simplement, je pense que vous avez trouvé un équilibre. Après, le message qu'on me donne, alors la justice, situation matérielle. D'accord, alors c'est juste un petit conseil. Je pense que la situation sera bonne matériellement, hein, stable, mais en même temps avec une sorte d'équilibre peut-être fébrile, peut-être, hein, pas pour tout le monde, mais ce que je veux dire par là, c'est que... Ça ne sera pas le moment pour vous de faire des achats vraiment totalement déraisonnés. Voyez, je pense qu'il faudra quand même compter. Ça sera important de pouvoir compter, de calculer. Je vois la papesse à côté aussi, donc qui représente bien cette notion de faire les comptes. Hein. Voyez, elle tient le livre. Hein. Ça me fait penser tenir le livre de compte. Donc
Ouais, clairement. En plus, on voit l'épée tournée vers la gauche, vers la papesse, donc c'est ça. Voilà, c'est juste calculer un peu pour être justement dans cet équilibre et garder l'équilibre. Voilà. Hein. Pour ne pas vous retrouver dans une situation où vous êtes dans le besoin parce que, comment vous dire ça? Vous avez fait par exemple, des dépenses vraiment inconsidérées dont vous n'aviez pas besoin. La justice, elle va quand même en l'essentiel. Hein. La justice, elle pèse les pour et les contre et ensuite elle prend une décision. Donc on n'est pas sur des achats compulsifs, vous voyez, notamment si c'est des achats importants. Encore une fois, la papesse, elle prend le temps, elle analyse et bon, bah, on fait les comptes d'ailleurs. Ok. On va regarder un petit peu professionnellement ici. Donc, c'est la maison numéro 6. La maison numéro 6 qui nous parle du quotidien, en fait. L'atmosphère au quotidien. Mais comme l'atmosphère est très ponctuée, si vous voulez, par le travail, pour moi, c'est la carte maison numéro 6 du travail, surtout au quotidien. L'ambiance de travail. Le butler. Ok. Bon, alors peut-être déjà que vous avez une nouvelle opportunité de travail. On est sur le 1, donc sur de la nouveauté. Peut-être un nouveau chemin, un nouveau départ. Donc, peut-être en effet qu'il y a, je sais pas moi, une délocalisation de l'entreprise dans laquelle vous travaillez, ou alors vous changez de boulot pour vous lancer dans quelque chose de nouveau, c'est possible. Un nouveau projet sur lequel vous devez vous atteler, quelque chose d'important, d'envergure, qui est porteur en tout cas. Mais c'est le départ, hein, 2020. Donc, juste on me donne ce message pour vous. Qui vous lancez dans quelque chose de, enfin, comment dire, de nouveau. Donc soit un nouveau boulot, soit un nouveau projet, quelque chose que vous voulez mener. Enfin voilà, c'est moi j'ai le sentiment que c'est quelque chose qui va être en plusieurs étapes. Il peut y avoir vraiment un aboutissement par rapport à cette chose-là. Je vous transmets le message tel quel, hein. Il peut vraiment y avoir un aboutissement, mais en fait, ça va être graduel. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs étapes qui sont obligées d'être passées par rapport à ce projet, ou par rapport à ce travail. Ça peut être durable, mais aussi, comment vous dire ça? Ça dépendra de vous. Ça dépendra de ce que vous en faites. Ça veut dire que, de par votre confiance en vous, de votre confiance et votre connexion à vos ressentis et à l'univers et à vos guides, ça vous amènera le succès. Si vous gardez ça tout le temps, que vous savez pourquoi vous voulez aller au bout, et là, c'en est le pourquoi vous voulez, je sais pas moi, s'engager dans ce nouveau travail ou projet, ça peut aller très loin, hein. Il y aura même une possibilité d'évolution pour vous. Oui, d'évolution. De passer en grade, de quoi que ce soit. Donc vraiment, de vous accomplir. Clairement, dans ce projet, mais tout est entre vos mains et comme je vous dis, il ne faut pas que vous désespériez et il faut toujours que vous vous laissiez porter par votre cœur. Voilà. Alors là, j'avais plein de messages à vous dire pour ça. Donc, maison 6. Alors, je vous vois assez aussi multitâche. Hein. Ça veut dire que vous allez peut-être à certains moments ne pas trop savoir où donner de la tête parce que beaucoup de choses à gérer, j'ai l'impression. Hein. Peut-être on vous remet soit beaucoup de responsabilités ou alors tout simplement les choses s'accumulent, vous voyez, plein de tâches. J'ai cette notion d'être un peu débordé parfois ou de se sentir un peu débordé. Il est possible parce que justement aussi, hein, vous démarriez quelque chose de nouveau, donc il ne faut pas que vous inquiétez. Et il ne faut pas que vous ayez peur de ça aussi au départ, de pas trop. Enfin, je sens une certaine hésitation aussi, en fait, pour vous à vous lancer ou à oser, à franchir le pas. Et pour beaucoup, ces hésitations, elles seront en lien avec le fait que vous avez peur soit de ne pas être à leur hauteur, de ne pas réussir ou de ne pas savoir comment faire. Il y a aussi ça, ne pas savoir comment faire. Est-ce que vous avez les capacités nécessaires, voyez, pour ce projet ou cette activité ou ce boulot? Mais il faut vous lancer. Il faut vous lancer et vraiment voir étape par étape ensuite, sans avoir peur. Mais il faut passer à l'action. Hein. C'est le bachelor, ça va être aussi vraiment une carte d'action, de manifestation, de réalisation.
Alors, en maison 10, ici, nous avons maintenant la carrière. Plutôt donc sur le long terme, vos ambitions, l'évolution pour vous. Le diable. Eh ben, c'est une très bonne carte ici. Dans la carrière, le diable, ça va être une très bonne carte, notamment avec ce qu'on a déjà vu avant. Le diable ici va nous parler pour moi de pouvoir, hein, déjà. Donc vous allez, enfin vous avez le pouvoir en effet, vous avez le potentiel pour matérialiser vraiment beaucoup de choses. Le diable, on dit, si vous voulez, que c'est un petit peu le prince de ce monde, le prince du terrestre, de la matière, ou de la matière, surtout, c'est ce qu'on me dit. Alors, de la matière, ça veut dire que dans votre boulot, vous avez des opportunités pour grandir, pour évoluer, et pour être dans un statut, dans une aisance financière, peu importe le niveau, où vous avez le contrôle en fait. Vous avez vraiment le contrôle. Mais je ne le sens pas dans le négatif, hein. Pour moi, ce n'est pas une question négative, c'est une question de tout simplement, le diable, c'est aussi les ambitions, donc d'aller très haut. Vous voyez le personnage, comment il est grand, en plus, il est encore monté sur quelque chose, il prend vraiment... beaucoup beaucoup de place sur cette carte, donc ouais, vous avez la capacité d'aller vraiment haut au niveau professionnel. Alors je vais regarder si on me dit autre chose. Non, pour moi c'est assez simple, c'est ça en fait. Et quelque part, là, c'est une invitation pour vous dire que allez-y, foncez, parce que à la clé, il y a une position confortable qui vous attend. Hein? Peut-être on vous dit aussi là, réalisez vos désirs, parce que le diable, c'est le désir. Vous voyez, il y a l'amoureux juste en dessous. Donc, il y a un lien aussi hein, entre ces deux cartes. Donc, revenez sur la maison 6, non, pardon, la maison 4, qui est le foyer aussi, pour voir ce que je vous ai dit. Mais ici, c'est le feu de la passion, le feu du désir aussi. Donc, laissez-vous porter et guider par ça. On va regarder en maison numéro 3, qui est la maison de la communication dans le sens global et aussi les apprentissages. Par exemple, notamment si vous suivez une formation, ça pourra être révélé par cette carte. La force. La force. Alors, pour certains, au niveau apprentissage, je dirais plutôt le sport. Donc, certains vont essayer en lien quand même avec l'impératrice, hein, prendre soin de soi, de son apparence, de son énergie aussi. Même de son énergie, oui. J'ai cette indication avec la force. C'est votre énergie physique, mais donc l'énergie spirituelle aussi, votre aura, enfin, d'un point de vue plus subtil. Je parle de cette énergie. Et pour d'autres, on parle de l'énergie physique. Mais de toute façon, tout est lié, hein, comme vous le savez. Et on est sur le chiffre 11 avec le symbole de l'infini ici sur la force. Donc là aussi, reconnexion à vous-même. Donc oui, peut-être vous allez vous mettre à faire du sport, ou pratiquer certaines activités. Qui vous demande vraiment un effort, encore une fois, en termes d'énergie ou d'investissement de votre part. Peut-être que vous allez suivre une formation, je ne sais pas quel sera le sujet de la formation, mais c'est tout à fait possible, c'est ce que je ressens. Et surtout, par rapport à la communication ici, vous allez apprendre à beaucoup plus maîtriser et en même temps savoir extérioriser ce que vous ressentez au plus profond. Ici, vous avez les idées claires. Vous écoutez votre voix intérieure justement, vous apprenez même comment dire, encore une fois, à reprendre le contrôle sur votre vie intérieure, sur ce qui se passe à l'intérieur, plus à l'écoute. Ah, j'ai une petite, justement, voilà, j'ai une petite sensation au niveau de la cuisse là, donc c'est bien ça, c'est vraiment
Votre corps, vous... en fait, oui, c'est ça. Votre corps vous envoie des messages et vous en prenez conscience, vous l'écoutez et en même temps, oui, vous lui donnez de l'attention et ça va créer une sorte de connexion. Hein. Il y a une reconnexion avec votre corps et votre esprit. Donc une carte qui s'exprime, la force c'est l'expression de soi, mais avec authenticité. Mais vous dites ce que vous avez à dire, par contre, très très clairement, vous n'hésitez pas quoi. Hein? Vous avez la force, ça va représenter aussi la, comment dire, le courage, donc le courage de parler notamment, de vous exprimer. Et d'aller voir ce qui se passe en vous, de l'accueillir et de le. Bah de, oui, déjà dans un premier temps de l'accueillir, ensuite de le comprendre et ensuite d'apprendre à le canaliser, vos émotions, vos pensées. Donc les peurs, les angoisses, l'anxiété, plein de choses. On va regarder maison 11, qui est la maison des amis, le cercle voilà, amical ou alors relationnel, l'aspect sociable, et elle peut représenter les espoirs et les rêves. On a le pendu. Alors, j'ai deux messages là qui me viennent directement, spontanément. Le premier, c'est que on vous dit que vous donnez beaucoup d'énergie par rapport aux autres d'une manière générale. Peut-être que ces temps-ci aussi, vous avez fait beaucoup pour les autres, vous avez été sollicité. Et j'ai le sentiment que le retour de l'énergie, c'est-à-dire que vous, quand vous avez besoin, vous trouvez moins facilement une épaule sur laquelle vous reposez. Hein? Alors j'ai le sentiment que là-dedans, il n'y avait pas forcément un équilibre. Mais pour 2020, en fait, ça va s'inverser pour moi. Ça va s'inverser. Et en tout cas, ça va s'inverser si vous voulez. Ça veut dire que n'hésitez pas, si vous avez besoin d'aide, on a juste au-dessus la maison de Dieu, donc notamment par rapport au changement qui pourrait intervenir pour vous, que vous êtes un peu perdu. Moi, j'ai le sentiment avec ce lien ici que justement, il y aura des personnes qui seront là pour vous rattraper, pour ne pas vous laisser. Vous voyez, là, j'ai le pendu vers le bas, j'ai l'impression que vous laissez embarquer par des pensées négatives. Vous voyez, les pensées ici, elles vont être vers le bas, donc vers des pensées peut-être négatives. Vous allez avoir des personnes justement qui vont pouvoir vous élever, vous conseiller, vous faire voir les choses différemment, tout simplement. Hein. Là, on n'a pas la même vision que là. Donc ça, vos amis, la famille, on le voyait aussi avec l'amoureux, hein, ils vont être présents. Comme je vous ai dit, vous êtes entouré, vous êtes bien accompagné d'ailleurs. Donc n'hésitez pas. Là, on le retrouve dans les amis. Il y a des gens qui vont pouvoir, voilà, vous aider, tout simplement. Alors, en maison 12, ici, nous avons la maison un petit peu des obstacles à dépasser, des parts d'ombre à travailler, les épreuves, les défis qui peuvent se présenter concrètement en 2020. On a l'empereur. Ok, alors on avait l'impératrice déjà et on a le mari, l'empereur. D'accord. Alors, première chose, l'empereur, vous voyez, c'est celui qui est dans le contrôle. Hein. L'empereur, c'est celui qui maîtrise, qui a, bon, voilà, des personnes sous ses ordres. C'est lui qui dirige, qui donne les instructions. Mais il y a vraiment cette notion, en plus, avec sur le 4, le chiffre 4, qui, moi, me fait penser au carré, de quelque chose de rigide et donc de contrôle. Et en fait, ici, donc, si elle arrive en maison numéro 12 des épreuves et des défis, c'est justement que deux choses. Il faudra que vous teniez bon, parce que l'empereur, c'est quand même celui qui a confiance, qui est stable, qui est sur le chiffre 4, donc solide sur ses appuis. Hein. Moi, j'ai cette notion d'un arbre, voilà, être solide sur ses appuis, parce que il y a des changements qui pourraient intervenir,
et vous déstabiliser. Donc surtout, ayez confiance. Voilà, restez bien ancré. Hein. J'ai cette notion d'ancrage, et même avec d'ailleurs le pendu et d'autres cartes là, j'ai cette notion d'ancrage qui me viennent. Mais en même temps, ne cherchez pas à contrôler, en fait, ce que vous ne pouvez pas contrôler. Hein. Il y aura quand même beaucoup de possibilités d'action et de décision pour vous. Mais il y a certaines choses qu'il faudra accepter, certains changements qui sont bénéfiques pour vous, au final. Et là, c'est vraiment ne pas chercher à avoir le contrôle sur tout. Parce que l'empereur, justement, il contrôle tout, lui. Donc c'est ça vos épreuves et votre défi. Mais avant tout, de rester sur le positif, là, moi je vois le petit plus, donc le positif, être le regard tourné vers, ben, encore une fois, vers les guides, vers le divin, avoir confiance, en fait, avoir la foi. Je ne ressens pas souvent cette carte comme ça, mais c'est intéressant. Le tarot de Marseille est très riche et je trouve toujours plein de nouveaux symboles, enfin, c'est juste, c'est génial. Sachez-le, c'est génial à vivre les cartes. Enfin, c'est une passion, quoi. C'est juste un. Je le fais sérieusement, mais en même temps, voilà, c'est avec un aspect ludique parce que bah, c'est intéressant, quoi, de découvrir tout, plein de synchronicités, enfin, plein de choses. Voilà, le mec qui raconte sa life. Ok, bon. Et je vous avais dit, hein, je parle beaucoup. Hein. Je reviens juste, donc voilà, ça fait plaisir. Et ici, c'est ça aussi qu'on vous dit, c'est que il va y avoir des choses peut-être qui vont vous sortir à certains moments de votre zone de confort. Et il faut pas que vous voyez ça comme des, enfin, comment dire, comme si en fait, ce sont des épreuves. Voilà, ce sont juste des épreuves. Mais quand vous allez vous les dépasser, parce que si ça vient, c'est parce que vous pouvez les dépasser déjà. Sachez que quoi qui se présentera pour vous en 2020, vous avez la capacité de, oui, de franchir en fait les épreuves et les obstacles ou les défis en tout cas. On va surtout parler d'épreuves et de défis. Je trouve que c'est beaucoup plus proche de la réalité que vous allez vivre. Parce que vous avez tout ce qu'il faut, hein. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut. Donc revenir à l'ancrage, revenir parce que l'ancrage justement ça va vous solidifier. Vous voyez, j'ai l'idée d'une tempête. Admettons la maison de Dieu, c'est une tempête qui passe. Ben, si vous êtes ancré justement, si vous êtes bien confiant, connecté avec vous-même, ben, peu importe les événements extérieurs, vous savez que vous allez pouvoir gérer, vous savez que vous allez pouvoir prendre des décisions, vous allez regarder ce qui, ben, voilà, les faits, ce que vous avez sous les yeux, sur la table, et puis ensuite, voilà, vous allez pouvoir avancer dans tous les cas. Parce que vous aurez vraiment cette capacité de vous connecter à votre intuition. Et justement, là, la papesse, c'est vraiment une énergie féminine aussi, et là, on a l'empereur. Qui est le côté yang au niveau bah, tout simplement masculin, donc masculin et féminin. Donc le défi, ça sera peut-être justement de laisser, enfin d'écouter un peu moins la voix du mental, donc la voix du yang, je dirais, et plus écouter la partie yin et vos ressentis, votre intuition, donc écouter le corps, les sensations. Et pas forcément tout ce qui se passe dans la tête. Et on a encore cette notion de contrôler ici. Hein. L'empereur, c'est celui qui contrôle comme la force. Contrôler ce qui se passe à l'intérieur. Contrôler. Vous êtes maître de votre vie, en fait. Maître de vos pensées, maître de vos émotions. Alors, pour finir, j'ai décidé de tirer deux cartes avec ce jeu. Qui est la sagesse des royaumes cachés. Donc, dans ce jeu, en fait, les cartes, elles peuvent intervenir soit en tant qu'alliées, soit en tant que rivales. Elles ont deux polarités. Donc, j'ai décidé de tirer une carte pour l'allié, qui va correspondre à ce qui est favorable pour vous, ce qui va vous aider. Et ici, le rival, c'est plutôt, bah, justement, ce qu'il va falloir travailler, qu'est-ce qui joue contre vous potentiellement durant cette année. Alors, en allié, vous avez la reine de la rivière.
sont des très belles cartes. La reine de la rivière. Vous voyez, eh ben, on parle de flow, de lâcher prise, mouvement naturel. Donc là, le message est très clair. Et on a le coquillage ici, pour moi, qui est symbole de connexion et d'écoute. Vous voyez, elle a la tête penchée comme ça, comme si vraiment elle était à l'écoute là des messages qu'elle reçoit. Attendez, je vois des choses. Ouais. Ok. Donc, être à l'écoute vraiment des signes, être connecté pour moi avec les étoiles, avec les guides, avec le divin, et surtout avec, vous voyez, c'est la sirène, enfin, oui, c'est une sirène. Donc, c'est connecté au flot de vos intuitions, de vos ressentis. Hein. Voilà ce qui va être vraiment votre force et ce qui va vous aider. C'est votre allié. Et le lâcher prise aussi, vous voyez? Hein, lâcher le contrôle, vous laisser porter, vous laisser guider comme ça, naturellement, sans vous prendre la tête, juste en étant à l'écoute de vous-même. Hein, on a la sirène là dans la nuit, donc qui va peut-être avoir des réponses dans la nuit, donc ça veut dire quand vous vous sentez perdu, ou alors quand vous voulez chercher des réponses sur des choses qui sont cachées justement, ou dans votre inconscient, dans vos parts d'ombre, voilà. Il y a ce travail qui se fait, donc c'est vraiment positif pour vous. Alors, la reine de la rivière, on va voir ce qu'on vous dit. Donc, je vais vous le lire. Alors, la dame de la rivière en allié. Bon, je vais essayer de la mettre à côté, on va voir si je peux faire tout ça. La reine de la rivière flotte dans votre vie en allié pour vous rappeler le concept d'autorisation et la loi de non-attachement. Souvenez-vous que toutes les rivières viennent des montagnes et coulent vers la mer pour être absorbées par les plus grands cours d'eau. Ensuite, le liquide s'évapore en nuages de pluie sur les montagnes afin de poursuivre un cycle infini de fluidité. La reine de la rivière vous demande d'être fluide et de lâcher prise par rapport à la rigidité. Vous voyez, on retrouve avec l'empereur la rigidité. Et au perfectionnisme. Attendez. Lâcher prise par rapport à l'agilité, au perfectionnisme, oui. Vous irez loin tant que vous lâcherez prise. Laisserez couler et manœuvrer autour des plus grands obstacles, comme les ruisseaux contournent les gros rochers. Aucun obstacle ne peut vous arrêter en ce moment si vous êtes prêt à vous abandonner au flot naturel des événements. Soyez gentil avec vous-même et les autres, puis observez avec quelle douceur vous allez de l'avant. Vous serez peut-être surpris de l'endroit où la rivière vous amène. Ok, donc très beau message. Et on va regarder pareil en intuitif et après le livret avec le rival. Hein, le rival ou ce qui peut jouer contre vous. Vous avez le cartographe du destin. Alors, elle est très riche cette carte. Je ne l'attire pas beaucoup. Je vais me laisser inspirer. Bah, vous voyez là. Avec ce cartographe du destin, justement, en rival, ce que je ressens, c'est que on a quelqu'un là, justement, qui cherche, qui analyse. Je vois plein d'outils. Ça me ramène à cette carte de l'empereur, en fait, hein, qui cherche à vraiment comprendre, tout décortiquer, peut-être tout contrôler. Vous voyez, j'ai le contrôle encore qui revient. Je ne sais pas pourquoi. Objectif authentique, inspiration, libre arbitre. Pour moi, c'est surtout ça. Alors, on va voir ce que nous dit la carte, s'il y a un message qui me saute aux yeux ou qui est plus clair pour moi. Bon, j'ai peut-être une petite baisse d'énergie aussi, hein, parce que je peux vous assurer qu'une heure comme ça, enfin plus d'une heure comme ça ensemble, et je pense que vous percevez l'intensité que j'essaye d'y mettre. Enfin, c'est même pas que j'essaye, c'est ça vient comme ça. Mais ça prend pas mal d'énergie aussi. Alors, on va essayer de. Ah, bah, ok, je comprends mieux pourquoi je suis un peu bloqué. Déjà, parce que, vous voyez, il est en tant qu'allié et rival, en fait. Il est les deux à la fois. Donc, je sens que c'est une carte complexe. Alors,
Mais bon, pour vous, on l'a plutôt tiré a priori en rival, donc on va essayer de voir ce que ça veut dire. Quand le cartographe du destin apparaît, c'est un signe qu'on vous donne une occasion pour transformer votre sort en destin. Vous voyez, on reparle de libre arbitre donc ici. À sa naissance, chaque être humain se voit donner une carte unique avec une multitude de routes qui s'entrecroisent les unes les autres. Votre carte du destin montre tous les lieux que vous visiterez, lieux où vous serez mis au défi d'évoluer vers l'aspect supérieur de votre moi. D'accord, donc je pense en fait c'est qu'il ne faut pas lutter contre ces changements qui arrivent, tout simplement. Comme on vous dit, c'est pour évoluer. Souvenez-vous que vous êtes une étincelle du divin venue sur Terre pour expérimenter la forme humaine. Ainsi, votre route est unique. Elle est aussi en quelque sorte organisée d'avance, et le sort représente les événements de votre vie qui se produiront et que vous ne pouvez pas changer. Donc on en revient au contrôle. Le sort se transforme en destin selon la manière dont vous réagissez aux circonstances. Attendez, je vais relire cette phrase même pour moi. Le sort, oui, se transforme en destin selon la manière dont vous réagissez aux circonstances. C'est pour ça que c'est le libre arbitre. Ce n'est pas les événements qui déterminent la destinée, c'est ce qu'on en fait. Puisque le destin vous offre l'habileté de transformer des expériences du sort en grandes occasions, le libre arbitre et le choix sont possibles à certains points de votre carte. Maintenant constitue l'un de ces moments. Vous devez affronter une relation ou une circonstance que le sort vous a apportée. La manière dont vous répondrez vous mènera à votre destin parfait. Cet allié peut prendre la forme d'une âme sœur venue guérir votre cœur et être votre compagnon. Mais en rival, il peut vous mettre devant les choses en quoi vous, non, en vous qui doivent changer. On était sur la maison de Dieu. Afin que vous puissiez exprimer votre plus grand bien. Peut-être que le sort vous amène un allié sous la forme d'un merveilleux nouveau projet. Trois petits points. Ou un rival sous la forme d'une entreprise qui échoue. Peu importe la forme qu'il prenne, il s'agit de l'expression parfaite de votre sort, vous invitant vers votre destin. Prêtez attention, car votre carte se déploie en ce moment. Et souvenez-vous que le sort fait la carte, mais que le destin est déterminé par la manière avec laquelle vous entreprenez votre aventure. Voilà. Ouh, bon, bah écoutez, c'était des messages assez forts. J'espère surtout que cette vidéo, cette guidance vous aidera, parce que ce que j'essaye de faire. N'hésitez pas à liker, surtout à partager avec le plus de gens pour que ça puisse aider le plus de personnes possible. Tout simplement, hein, c'est gratuit, donc il n'y a pas de. Enfin voilà quoi, c'est free, c'est Noël, c'est cadeau. Voilà. Et merci encore à vous. Je vous souhaite une très belle année et je vous dis à bientôt. Bisous!